Bonjour à tous et à toutes, c'est KJ, bienvenue pour le 21e épisode de notre carrière manager avec Mansfield Town. Donc, on s'est arrêté, on avait gagné les playoffs sur un score de fou. Un conseil, allez checker le 20e épisode, vous allez tout voir. Et du coup, alors donc, entre le dernier match de, on va dire, de Détroit et maintenant, il s'est passé quand même quelques petits trucs. Donc, je vais vous résumer tout simplement la chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simulé, j'ai fait le mercato, voilà, tout simplement. J'ai gagné le trophée européen, la coupe bouclier européen, j'ai tout simulé, donc vous n'avez rien loupé. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai acheté, donc il y a eu deux nouvelles recrues. Donc je vais vous montrer. Matondo, donc il venait de Schalke, qui était déjà 74, il a un potentiel, il peut monter jusqu'à 87. Non, 86. Et Armini, que j'ai acheté de la Lazio, j'ai payé sa clause libératoire, qui est à 2,8 millions. Il a un potentiel, il peut monter jusqu'à 85, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. 85. À vérifier, mais de tête, c'est ça. J'ai voulu aussi essayer de m'acheter Greenwood. Malheureusement, j'avais pas les thunes. Beaucoup trop cher. J'ai aussi pris, donc j'avais pris un premier joueur, c'était Kelly du centre de formation. J'ai aussi pris un deuxième, et le voici, il s'appelle Thomas, 17 ans, il est MDC, potentiel de 76 à 94, je l'ai laissé faire, il n'a pas bougé, donc pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc Hamilton, voilà, on va le mettre, lui par contre, je vais le mettre à la place de qui? Pas la place de grand monde en fait hein, au final. Donc j'ai donc juste voilà, c'est juste ces trois joueurs qui sont arrivés, un du centre, le deuxième du centre de formation, Matondo que j'ai acheté de Schalke et comment il s'appelle, Armini. Donc aussi ma team est au-delà des 70, donc ça fait plaisir. Et j'ai joué un match, je vous le dis très clairement, j'ai joué un match de championship, puisque maintenant on est en D2, que j'ai gagné sur le score de 3-0. C'est le seul match que j'ai fait contre Stock, et s'il y en a qui vont me demander la différence entre D3 et D4, et D4, D3, D2, D4 et D3, je trouve que le niveau, c'est un petit cran au-dessus, mais c'est pas particulier. Par contre, de D3 à D2, c'est pas la même, hein. C'est vraiment différent parce que la plupart de championships sont des anciennes équipes de première ligue. Bon là c'est par exemple Norwich. Norwich normalement est en première ligue à l'heure actuelle. En IRL ils sont à l'heure actuelle en première ligue. Là sur le jeu c'est pas le cas, ça n'a pas été mis à jour. Bon, c'est pas très grave. Donc ça c'était tous les matchs qu'on avait fait. Donc ça c'est voilà, on a gagné contre Bambi et tout ça. Premier match on est tombé contre Cardiff City. Ancienne première ligue, on a perdu 3-2. Ça, c'est que de la simulation. Hein. Blackburn, on a gagné. Ancien de première ligue, on a gagné 2-1. Donc, Doncaster, 2-1. Non, eux, sont toujours en championship. Luton, donc, les vainqueurs de la D3, on a fait match nul contre eux. Derby, ancien de première ligue, qu'on a gagné 2-1. Alors, je sais pas si ancien ou toujours, je sais pas. Donc, Norwich, donc on a perdu. On a perdu contre Birmingham, ancienne première. Enfin, non, on a fait match nul contre Birmingham, ancienne première ligue, un partout. Et on a gagné contre Stoke, 3-0. Donc là, on va affronter Millwall. Et aussi, une dernière chose, je vais vous montrer dans le classement. Et ensuite, on va y aller. Hein. On va arrêter le blabla. Les deux premiers de Détroit sont 23e et 24e. Voilà, comme quoi eux, le step, ils sont dans la D3, mais ils sont, on va dire, en D2, 2,5. Parce que, ouais, j'ai vu les scores, ils se sont pris des tatanes de fou. Et nous, on s'en est plutôt bien sortis. Donc, en même temps, les joueurs augmentent, donc c'est peut-être plus simple. Voilà, quoi. Donc, on est pour l'instant 7e. Alors là, par contre, l'objectif, est-ce qu'on peut monter? Ça va être dur. On va pas se mentir, ça va être très compliqué. Donc là, j'ai mes premiers joueurs qui sont partis en sélection nationale. Donc Bazunu et Parrot, les deux Irlandais.
Donc, ce qu'on va faire, on va mettre Hamilton. On va, non, désolé, Hamilton. Tu vas sauter. On va mettre Anjorin. Voilà. Stone, bah, il va rester. J'ai encore quelques petits trucs à faire. Hein. De toute façon, il me faudra des bons remplaçants. Il me faudra. Voilà quoi. Parce que pour l'instant, grosso modo, on va dire j'ai 12-13 joueurs. Et c'est tout. Nous emmène donc en Angleterre aujourd'hui avec ce match Et de on FA se retrouve pour Championship. les meilleurs Il va moments. y avoir du spectacle, on l'espère. Les deux ans. Je t'ai vu. Il faut trouver une option Les Vagno. disponible. Oh, il a de la place devant lui. Ouais, bonne prise de balle du Non. gardien. C'était trop anticipé, trop. Ouais, c'était pas bon ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ouais, il est passé. Oui. Mais la parade Mais pour non. écarter le danger. Ouais, tout le monde l'a voyé au fond. J'ai eu deux comptes favorables, hein, J'espère aussi, on qu'on va faut bien que pas se cette domination mentir. se traduise par un but. Attention à ce corner. Allez, juste avant la mi-temps, ce serait Corner en parfait. direction du point de pénalty. Mauvais dégagement là. Attention. Ouais, c'est dégagé. Sans se poser de questions là. Allez, il y a de l'espace devant Oh lui. là. Le Sors mon gardien. tir. Ouais, très bon. Oh, on a failli. Ça y est, c'est la Ouf. mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas Le de tac but. était raté, 0-0. heureusement. Bah écoutez, on a eu des occasions, on domine, mais on n'arrive pas à marquer. Il y a aussi un truc, oui, c'est vrai que les gardiens de Championship, c'est pas la même que les gardiens en Détroit. Hein. Parce que là, les nombres d'occasions, j'en aurais mis une en Détroit. Là, j'arrive pas. Ils ont eu deux belles occasions, on en a eu pas mal. Détail du match, je pense que c'est nous. Ouais, 6 tirs, ils ont eu 4 cadrés, mais bon, il y avait deux frappes écrasées. Nous, on en a eu 6. Match plaisant, mais pas simple. À nous d'essayer de mettre ce fameux but. Il est Ou ces reparti pour fameux buts 45 plutôt. minutes entre ces deux. Oh oui, Agoumé, bien. Agoumé? On cherche des solutions là. On cherche une solution. Allez, Kelly! Attention. Et voilà, il est Yes! l'ouverture du score dans cette Enfin! rencontre. Et ça, c'est un but qui va On tout a été changer. verrouillé. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Vous avez vu, c'est sur la passe. Il a éliminé le joueur, C'est il a sûr, eu les du champ. défenseurs ne sont pas irréprochables Et sur cette après, action. la Et de montée, toute façon, ça aurait été la très passe compliqué de décisive. l'empêcher de filer au Là, but. Kelly, Quel numéro il voilà. l'aura fait là? Le but encore, Là, Kelly, mais sous Kelly, un quoi. autre angle cette fois-ci. Ah, il a mis une grosse frappe coup pointue là. On prend 1-0. Cameron Kelly. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentive du temps réglementaire. Ah, que c'est bien Oh joué oui, ça. Hamilton. Ça, c'est un bon ballon. Allez, Hamilton. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et ce Ah, sera un j'aurais corner dû à suivre. accélérer et faire un plat du pied. L'occasion pour l'équipe de plier le match, peut-être dans les dernières minutes de jeu. Changement logique, hein, Pierre. Oui, parce que c'est plus à eux de faire le jeu, mais. Le gardien qui repousse ce corner. Ah, c'était dangereux. Oh là. Mais la défense s'est dégagée. Et vous venez Victoire. d'entendre, c'est à l'instant même la fin de ce match. Dernier coup de sifflet de l'arbitre. Eh ben écoutez, bah, victoire, hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Victoire, match plaisant, franchement rien à dire. Mérité, parce qu'on a eu des plus d'occasions franches. Il n'y a rien d'autre à dire. Let's go. On va faire les interviews. Bon là, c'est pas très intéressant. On va voir. Ah, Luton qui a gagné contre Nottingham Forest. Just a couple of questions for you. Voilà. Nous étions les meilleurs, tout simplement. Sur le match, c'est vrai. Vous avez su inverser, nanana, avec ça, pensez-vous? Nous étions les plus forts. Putain, les Thank you questions, so des fois, much. sont connes. Sont connes des fois les questions, c'est un truc de fou. Ouais, bon, on va simuler. Allez, les gars, une petite victoire. Yes! 2-1. Parrot qui a marqué juste après que Taylor ait égalisé. Parfait. C'est bien, hein, franchement, le début des deux, pas trop mal. Pas trop mal, franchement. Alors, Wigan, ils sont combien? Juste pour voir.
Ah oui, ils sont 23e. Ils sont entre les deux qui sont montés directement en Détroit. Luton et Ipswich. Bon, bah là, c'est une victoire. Hein. On doit gagner chez eux. Hein. Sachant que là, oui, il y a toujours, il y a les playoffs, mais sauf qu'à la différence, les trois derniers du championship descendent directement à Détroit. Il n'y a pas de barrage ou quoi que ce soit là. Ça redevient, on va dire, entre guillemets, un format classique. Ah ben c'est parti, let's go! C'est leur stade. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. Nous emmène donc en Angleterre aujourd'hui avec ce match du FA Championship. Kelly, faut marquer. Mais on devrait plutôt s'attendre à un nul. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. En profondeur, attention. Magnifique. Belle arrêt du Bazou. Qui nous sort ce ballon. Bel arrêt. Ils verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Le corner en direction du point de pénalty. La tête qui n'inquiète bien. Pas du tout le gardien. Ouais, là on a été plus. On n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive vraiment pas. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Mi-temps, ben, peu d'occasions. Peu d'occasion, mais nous on n'a rien fait. Nous on a même pas réussi à frapper. On a une occasion, voilà, tout simplement. Bah, il faut se réveiller parce que sinon bah, ça va partir sur un 0-0 ou alors sur une petite défaite. Match qui reprend à l'instant. Donc on va se réveiller et puis on va marquer un but, les gars. Période serrée, vraiment. Qu'est-ce qu'il en fait ? Très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, j'ai pas fait exprès, je touchais le ballon. Merci. Il s'est un petit peu laissé emporter sur ce tacle glissé, on dirait. On revoit ce tacle glissé et la faute est nette. Hein. Visiblement, l'entraîneur veut tenter le tout pour le tout. Il ne veut pas se contenter de ce match nul. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Vous avez quand même ici, et après, ça va être complexe. Allez, le plongeon, le photographe, même si ce serait quand même le danger était réel. Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Il va y avoir un changement, Pierre. On va voir si ça change quelque chose. Allez, les gars, score, manquez ce pas du match. Attention, il va marquer. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert, Pierre. C'est pas ouais, mérité. On aurait pu en voir quelques c'est autres, mais mérité. Jusqu'ici, les défenses sont bien. Oula. Ah, la passe en profondeur. Oula, oula. Oh, c'est dangereux. Ouais, le ballon. C'est hors jeu. Magnifique. Ouais, le but qui va être refusé pour une position de hors jeu. L'arbitre central a décidé de suivre son assistant. Et voilà les trois coups de sifflet de l'arbitre. Victoire de Wigan. C'est mérité parce qu'on n'a pas été là du match. On n'a pas été là du match. On n'était pas là. C'est-à-dire, voilà, deux tirs encadrés. Il n'y a rien à dire. Le match il est raté, point barre. C'était un match pitoyable. Et voilà, ils ont marqué sur un corner. Bravo à eux. Bravo à Wigan. Middlesbrough. On simule et on fera le prochain match. Allez les gars, on se réveille. Allez. Oh, un partout. Bon. C'est mieux, c'est au moins, c'est mieux que rien. Et on est redescendu 7e. Ok. Ah, c'était presque parfait. Aouchiche qui a complètement foiré son truc. Ah, on a un joueur blessé. Je crains le pire. Bon, ça va. Badesh, il est. C'est pas très très grave. Ça va. Preston. Alors, Preston, ils sont combien au classement? Ils sont 13e. Bon, allez, on va se réveiller, on va finir la vidéo sur une belle petite victoire. C'est parti. On est à l'extérieur, les gars, on fait pas le même match de merde. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous la pluie. Un match que vous allez vivre avec nous, Hervé Matou et Pierre Ménès. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que vous voulez que pour la première ligue, je mette les commentaires en anglais? Si vous voulez, dites-le moi.
qu'il faudra surveiller dans ce match, à mon avis. Trois buts sur ses trois derniers matchs. Oui. Il est en jambes, on le voit. Et vu son état de forme actuel, je serais pas... Il se présente face au gardien. Allez. Oh, l'arrêt. Ok, plongeon superbe. Oh, l'arrêt était magnifique, quoi. Il a cherché le point de pénalty. Finalement, le gardien qui repousse. Matondo. Non, on va retourner. Dans la défense adverse. Il cherche une solution. Oh, c'est vas-y. Contré, ah, ce tir. Dommage. Le corner en direction du point de pénalty. Oh. Ok. Là, ça mérite par contre un carton rouge. La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. T'es sérieux? Carton jaune pour cette faute. Voilà. L'avantage avec ça, tu vois, c'est que tout le monde est prévenu maintenant. Ah, il me fauche au bord de la surface, mais c'est rouge. Il est dernier défenseur pratiquement. Ou les derniers défenseurs, je sais pas. Allez, on va tenter. Je sais pas comment les tirer, mais c'est pas grave. Bonne présence là du gardien. Oh. Ok, mais maintenant je sais comment les tirer. Ouais, ils sont gentils là, ils nous remontent les images. Ils utilisent la technologie, mais on n'a jamais eu l'impression que. On sait très bien qu'il l'a pas. Bah oui. C'est pas plus mal hein. C'est comme ça, il n'y a pas de contestation c'est possible. C'est con quoi. Il y a au moins 3 mètres avant qu'elle franchisse la ligne. Ils sont débiles ou quoi? Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Ah, c'est bien défendu. Oula. Allez, over. Oh, il s'échappe tout seul, balle au pied. Mmh. Attention à nouveau. Ouais, la bonne parade du gars. Allez, oh oui. Allez, Vagno, tout seul. Cherche une solution là. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, la parade exceptionnelle! Oh, quel arrêt! Ah, c'est magnifique, et d'ailleurs, ses coéquipiers. Oh, les gardiens, ils sont on fire. Hein. Oh, c'est trop fort, ça va? Ce corner. Non, je demande s'il y a vraiment cru. Oh, joli. Oh, il m'a totalement mis à l'amende. Allez, Armini. Ouais, il a tout le couloir devant lui. Allez, faut s'appliquer pour centrer. Et il va y aller. Et le ballon bloqué par le gardien. Allez, Yogoya. Le bon ballon. Oh là-bas, attention, ça continue. C'est une mauvaise passe. Agoumé. Frappe contrée par le défenseur. C'est pas possible. Je pourrais en prendre deux comme ils peuvent en prendre deux. C'est n'importe quoi ce match. Il faut trouver une option disponible. Oh oui. Kelly. Elle arrive là. Ils ont eu 5 minutes, on a 5 minutes. Franchement, ce match, il est ultra plaisant. Et il est ultra stressant aussi. On a bien tiré. Oh, l'excellente parade du gardien. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. L'ouverture. Attention, le tir. Oui. Yes. L'ouverture du score dans ce match. Je pensais qu'il était en jeu. Du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont juste contents, avant la mi-temps. Oh oui. Merci, Parrot. Parce que ce match aurait pu basculer pour un but pour eux. Hein. On peut s'estimer heureux. Hein. Alors attention, hein, ce but, on a un tout, bon gardien. C'est du tout la même. Oui, à mon avis, l'entraîneur va devoir revoir ses plans à la mi-temps, justement, parce qu'il avait vraiment pas prévu ça. Mais il est couvert par qui? Ah, bah il est couvert par le 6. Celui qui avait fait la faute pour le coup franc. Voilà, 1-0. Qui est donc couvert, juste avant la mi-temps. C'est parfait. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il a donné là. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un match plaisant. Ça va à 2000 à l'heure des deux côtés. On est un peu plus précis qu'eux, mais ils auraient pu marquer. Voilà, parce que notre gardien les a un peu dégoûtés. Mais franchement, le match, il est super cool à faire, il est super cool à jouer, super cool à regarder. Let's go, on perd pas de temps, quoi.
Deuxième mi-temps, on espère pareil, quoi. Allez, on l'a plus. En profondeur, oui, bien vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh là là. Attention, le tir. Le but! Le but qui ramène les deux équipes. Je me suis totalement déchiré sur mon tacle. Dommage, hein, cette égalisation, juste après avoir pris l'avantage. L'entraîneur est furieux. Il est rendu au camp adverse. Cherche une solution là. Attention, peut-être le centre. Allez, ça peut peut-être donner que. Bon, attention, c'est. Oh, il la repousse comme il peut, ce n'est pas terminé. Bon, bah alors là. Oh, l'intervention du gardien qui repousse. Bazounou, c'est un génie. Comment il s'y est pris, toujours est-il qu'on reste au même niveau du score. Attention, la contre-attaque. Ah, dommage, ça ne s'est pas développé suffisamment rapidement cette contre-attaque. Allez, faut centrer là. Bah, pas faute. Pas plus loin. Si les deux équipes sont épuisées, c'est encore pire. Personne. La contre-offensive toujours. Allez, over. L'adverse qui se rapproche. Il n'est pas bon, non. Ce centre. Et ça sera une sortie de but. On va tenter des changements. Un changement, Pierre, maintenant. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais à ce moment du match. Un ballon pour l'adversaire. Je t'ai vu. Allez, il tente la petite passe aérienne. L'occasion de prendre l'avantage. Allez. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Et je crois que c'est le premier but de notre recrue. J'ai vu l'ouverture. Coup d'œil de McDonald. Filet aux fiches qui fait la passe. Le contrôle. Je pensais qu'il allait me tacler. Contrôle. Deuxième contrôle. Frappe. Magnifique. Sur ce but. Matondo. T'as vu Matondo? Ben voilà, tu as maté son dos. Et t'as mis le but. Blague humour. Qui était nul. Je crois que c'est son premier but à Rabi Matondo. Et oui. Premier but pour notre recrue qui est là depuis un mois. Pas qui faire la touche. Mais ici. Mine de rien, il continue là d'avancer. Il prend sa chance. Vas-y, frappe. Ah, il peut faire le trou, hein, sur cette occasion. Ah, il a peut-être trop réfléchi avant de prendre sa chance. Hein. Il s'est vu marquer. Il la prend demi-volée bizarre. Dommage. Ah ouais, allez. Passe. Ça, ça peut devenir dangereux. Allez. On cherche une solution. Oh, c'est oh oui. Ah oh, dommage. Heureusement, sinon j'ai ça tenté, mais c'était trop compliqué. Allez. Quoi, ça se joue à... Siffle. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Et finalement, on a pris beaucoup de plaisir à suivre ce match. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le jouer. 2-1. Franchement, ils auraient gagné, ça aurait pas été volé. Ça aurait pu très bien faire un score de 2-2, 3-2, 3-3. Le match a été plaisant de bout en bout, 90 minutes où les mecs ils étaient à fond tout le temps. On peut remercier Matondo et on peut remercier aussi cette passe lumineuse de McDonald. Just a couple of questions for you. Parfois, continue. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? Alors. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a des réponses qui sont déjà préfaites. Tu peux pas choisir parce qu'on a été les meilleurs. Non, on a eu juste une inspiration lumineuse de McDonald's et une très. Et la suite a été très bien conclue par Matondo, quoi. Thank you. Oui, je lui ai changé la pull à chemise et la chemise noire. Ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, on va se laisser ici pour notre 21e épisode de notre Career Manager avec Mansfield Town. Lâche ton petit like, ton petit pouce bleu. Abonne-toi pour suivre toutes mes autres aventures, toutes mes autres let's play. Lâche ton petit like, ton petit com. Abonne-toi. Je te le répète. Mes réseaux sociaux sont en bas de la description. C'était Cage. Bisous. À bientôt. Bye.